Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse information sur Fortnite, puisque le jeu, on le savait, était déjà disponible sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur PC, sur Mac, et on savait que tout ceci était cross-platform. Et bien la grosse nouvelle, c'est que le jeu va dorénavant être disponible sur smartphone. Alors oui, c'est une énorme nouvelle, on peut dire qu'ils ont tout compris chez Epic Games. Donc le jeu sera disponible à partir du 12 mars prochain et il sera uniquement disponible dans un premier temps sur iPhone, ou du moins sur iOS plutôt, et il sera mis à disposition des systèmes Android un petit peu plus tard. Alors tout le monde ne pourra pas y participer malheureusement, il faudra tenter de gagner votre droit de téléchargement de l'application en participant sur Fortnite.com. Et si vous êtes sélectionné, vous pourrez espérer obtenir un mail en retour avec le lien pour télécharger l'application depuis l'App Store. Alors, à savoir qu'il est inutile de participer si vous ne possédez pas minimum un iPhone 6, 6S, 6E ou alors un iPad mini 4 ou iPad Pro, iPad Air 2, etc. Bref, vous aurez compris, les plus récentes versions d'iPhone, d'iPad avec le système iOS 11 installé au minimum. Alors il faudra noter également que le titre prendra en charge le cross-platform, y compris pour les smartphones. Alors j'ai du mal certes à imaginer qu'un joueur smartphone puisse avoir la moindre petite chance contre un joueur PC, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée et surtout une belle preuve d'ouverture d'esprit là encore de la part d'Epic Games. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle. Est-ce que pour vous l'arrivée du jeu sur smartphone est une bonne nouvelle? Alors ne paniquez pas, comme je vous l'ai dit, hein, il sera bien disponible pour Android un petit peu plus tard. C'est vrai qu'iPhone est prioritaire sur le coup, c'est peut-être une forme d'injustice, mais la suite de l'aventure résoudra cette petite inégalité, donc pas de panique. Donc réagissez dans les commentaires par rapport à l'arrivée du jeu sur smartphone et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait qu'il sera cross-platform. Est-ce que vous voyez ça d'un très bon oeil? Moi, en ce qui me concerne, ça me fait plutôt peur, mais je vais quand même tester le jeu ou du moins essayer d'obtenir mon droit de le tester sur smartphone parce que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous le rappelle, ça sort le 12 mars et pour espérer participer, il faudra vous inscrire et tenter votre place sur le site Fortnite.com. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous. Ciao tout le monde !